Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Joyeux Noël! Joyeux Noël, voilà. Joyeux Noël 2017, oui, je me trompe pas. Alors là, je tourne le 24 décembre 2017, et donc bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez passer un excellent réveillon, un joyeux Noël. Oui, je tourne cette vidéo en avance, sinon vous ne l'aurez jamais le 25. Et ben donc, bonjour. Donc, je compte le nombre de fois que j'ai dit bonjour. Donc, donc cette petite vidéo pour vous souhaiter un joyeux Noël et... Voilà. Et aussi pour vous dire certaines choses, plusieurs choses, notamment par rapport à mon absence pendant 3 semaines, puis d'autres choses... une absence qui va aussi se répercuter. Et voilà, donc. Bon, tout d'abord, donc, je tiens à vous dire que... m'excuser parce que j'étais absent pendant 3 semaines. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé cette création. Je les ai notées ici. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vais les faire. J'ai noté quelque part. Et voilà, je les ai là. Attendez. Alors, voyons voir. Donc en premier, nous aurons un croiseur Klingon de classe D5, ensuite le défiant, version grande, parce que j'ai fait les versions petites, la navette interstellar, la navette qu'ils utilisent pour aller se poser, voilà, on l'a demandé plusieurs fois, un oiseau de proie Klingon du 22e siècle, que je n'ai pas commencé, le croiseur D5, je l'ai commencé, alors en anglais ça donne Star Jelly, et Star Jelly c'est en fait les méduses de l'espace. C'est celle qu'on voit, sans vouloir vous spoiler, dans le tout premier épisode de la nouvelle génération, Star Trek. Et enfin, d'après ce que j'ai noté, un oiseau de proie Klingon de Star Trek Discovery. Donc voilà, ça c'est le programme des vidéos qui vont venir. Et donc, comme c'est dit, en fait, c'est non très courte. J'ai remarqué que, comme j'ai pas fait longtemps de vidéos sur Star Trek Online, il y a le paysage hivernal de Q. Et je me suis dit, ça serait bien de l'explorer. Je pense que ça serait pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Star Trek Online. Avant, je vous dis pourquoi j'ai pas pu faire des vidéos et tout ça. Je n'ai pas pu parce qu'en fait, au début du mois de décembre, on a été peu, pour une interface, c'est travaux pratiques encadrés, des travaux en groupe. C'est comme des exposés, la seule différence, c'est qu'il y a une question, on doit y répondre et en expliquant comment. Alors qu'un exposé, on doit seulement expliquer. Et alors que là, on doit répondre à une question problématique. Mais bon, ça, si vous n'êtes pas en première, ne vous en occupez pas, vous en occuperez en première. Et donc, on a terminé pour fin janvier. Voilà, on est un tout petit peu en retard. Et donc, du coup, je dois me dépêcher. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas trop de vidéos en ce moment. Et aussi, donc, en même temps que le TPE qu'on avait à faire, on a eu un travail d'anglais qu'il fallait rendre, par contre, avant le lundi de la sortie. Et ben, voilà, parce qu'on a fait un truc assez original. Mais je voudrais bien vous montrer, mais je peux pas parce que mon ami et moi, on figure dessus. Donc, désolé. Et voilà. Et aussi, je vais vous montrer aussi des images en avant-première de certains projets personnels que j'ai réalisés. Donc, normalement, vous voyez un cube bord que j'ai fait avec... Je ne vous dis pas davantage, je vous le verrai dans une vidéo.
Et qu'est-ce que j'ai fait également? Plusieurs vaisseaux. Ah, aussi, le Voyager. L'USS Voyager. Mais vous verrez ça dans une vidéo. Donc, eh bien, je vous propose de passer directement à Star Trek Online. Et re tout le monde! Donc, nous voilà sur Star Trek Online. Donc, alors, oui, j'ai juste un petit problème parce que, eh bien, c'est bon, peu importe, peu importe, peu importe. Donc, nous voici sur un autre compte que j'ai créé pour l'occasion, où en fait, je suis le dentiste. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que pour accéder au monde féerique de Kyo, il faut quoi? Être le niveau 5. Donc. Non, pas! Oui, parce qu'il faut aller sur le sphère de terrestre. Donc, on va y aller. En distorsion. Oh non, distorsion combien là par contre? Mais non, mauvais direct. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je ne suis pas du tout dans la mauvaise direction. Oh, bah c'est bien, mais par contre, je suis en distorsion combien là? 5! Mais c'est nul! Oui, bah voilà, tant pis, hein. Allez, Jupiter, Sol System. Je le redis, c'est un jeu génial. Et dans la prochaine vidéo, que je ferai ces vacances, la seule que je ferai ces vacances, ça j'aurai le temps de construire les trucs en Lego. En fait, j'ai créé sur The Foundry, pour ceux qui savent ce que c'est The Foundry, c'est un. C'est une. Ah, Star Trek Online directement qui permet de créer une mission qui après, après on peut jouer si on a l'adresse, si elle n'est pas qualifiée pour les récompenses, et qu'on peut trouver voilà, en tapant l'adresse ID. Voilà. Et en fait, j'en ai créé une. Et donc, par contre, pour l'instant, elle est seulement en français. Je suis en train de la convertir en anglais. Et donc, si ça vous intéresse, je vais afficher l'idée dans l'écran là. Et je vais ben voilà voilà et je vous mettrai dans la description voilà c'est ça que je voulais dire. Ah c'est dur. Désolé, excusez-moi, je suis un peu stressé en ce moment. Un tout petit peu. Oui, je veux Marie, mais s'il vous plaît. Merci. Donc voilà. Après, franchement, je viens de réfléchir, mais c'est pas vraiment intéressant si je fais une vidéo. Parce que si vous voulez la faire et que je fais une vidéo, les solutions, vous pouvez pas les trouver. Ça serait pas très mal. Hein. Si je vous prends à peu près, quoi. Entre une demi-heure et une heure. Voilà. C'est une petite mission que j'ai voulu faire. Voilà. J'espère qu'elle vous plaira si vous voulez la faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, quand même, faut le connaître, c'est Jordi Laforge. Voilà, ingénieur en chef d'Enterprise D. Il est un peu vieux maintenant, il est capitaine de l'USS Challenger. Aussi, un vaisseau de classe commerce. Galaxie, j'adore cette classe, j'adore tous les Enterprise, j'adore tous. D'ailleurs, il faudra que je vous sorte la vidéo sur. Starship The Official. Non, Star Trek The Official Starship Collection. Alors je vous en sors encore. Moi j'ai plein de choses à faire donc excusez-moi, je suis vraiment désolé. Puis en même temps, je suis en train de créer un texture pack spécial voilà, c'est mon viseur. Pour Minecraft. Et puis j'ai construit d'ailleurs pas mal de vaisseaux Star Trek et de mon propre univers. Donc voilà, j'espère que. Ah, au fait, d'ailleurs, j'ai regardé. Je crois que c'était en septembre. Pour la sortie de la série Star Trek Discovery, que je vous conseille d'aller voir, que j'ai pas encore vu, mais je pense qu'elle a l'air géniale. Ils ont sorti les uniformes gratuitement sur Star Trek Online. Et ça, c'est génial. Donc, du coup, je vais juste le réclamer. Parce que j'ai envie de le réclamer. Parce que je fais ce que je veux. Et que j'adore leurs uniformes. Non, c'est pas là. Je vais vite vous montrer où c'est The Foundry. Voilà. C'est. Ah, j'ai pas accès! Oui, il faut être, je crois, lieutenant 10. Je sais pas trop quoi. Voilà, faut aller dans la C-Star. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez acheter des trucs avec des ailes, la monnaie principale du jeu,
Il faut aller là. Et vous avez tout là. Et vous allez dans promotion, normalement. Voilà. Ah oui, je l'ai acheté. C'est vrai, pardon, excusez-moi. Et vous avez donc ça. Voilà. Et oh, ils ont mis aussi ça. Le scant uniforme. S'il vous plaît, n'achetez jamais ce truc. J'adore l'uniforme de la nouvelle génération, mais celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est horrible. Je sais pas, mais je trouve qu'il est vraiment horrible. Bon, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, mon état, il est pas très très bien, hein, il est un peu lent. Non, ne te frotte pas aux barrières, ce n'est pas très intéressant, les barrières. Je pense que cette vidéo dure à peu près 20 minutes. Peut-être un peu plus. Ah, Q sur son prône. Ça va, les filles? Non, mais Q, j'adore. J'ai regardé la série, la génération. Q, il est trop marrant. Il est trop. Alors, j'aimerais qu'on peut aussi faire quelque chose d'assez sympa avec Q. Bonjour! Joyeux jour de Belle-Dor! C'est ainsi qu'on doit le souhaiter. Les vacances de Mortel ne laissent pas. Me laisse perplexe. Je suppose que vous devez trouver des moyens pour animer vos modes d'existence. Ouais, merci Q. Mais franchement, des arbres couverts de boules, du targ rôti, c'est ce qu'on veut. Si on veut poulet rôti, on fait ce qu'on veut. Et comment cela pourrait-il être une nuit silencieuse si les humains n'arrêtent pas de chanter? Ça, c'est assez antithétique. En revanche, j'apprécie les jeux d'hiver que l'on pratique dans le froid vivifiant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vivifiant. J'en sais rien. Comme cadeau de vacances pour vous, mon lieutenant favori. Ah, mon lieutenant favori, c'est Picard. J'ai créé un paysage idéal pour vos festivités. Quand vous serez prêt, il vous suffira de me le dire. Vous êtes aussi puissant qu'ils le disent. Je suis un targ. Oups. Oui, Q, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ridicule, on est d'accord. C'est ridicule. Bon, alors, j'aimerais visiter votre paysage hivernal féerique. Ah, quelqu'un m'a dit qu'il y avait des trucs assez fous. Mais on va bien voir, de toute façon. Donc. Voilà. Ah, en fait, j'ai juste une question pour vous. Si jamais vous arrivez à trouver quelque part en vente, pour n'importe quel prix, la saison 6, les saisons 6 et 7 de la nouvelle génération, en version originale ou remasterisée, s'il vous plaît, vous pourriez me le dire. Parce que je les cherche désespérément, parce que j'ai que la saison 5 et un DVD de la saison 6. Donc voilà, j'ai pas le reste. C'est triste. Donc voilà. Si vous pourriez, ce serait gentil. Oh! Oh, bonjour. Ah non, je suis toujours un targ. J'ai resté combien de temps comme ça? C'est ridicule! C'est trop ridicule! Non mais s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. C'est pas possible. Pourquoi je bouge pas? Attends, tu te fiches de moi. J'ai mon arme. Mon arme est dans la glace. Tout va bien. Non, mais par contre, là, c'est horrible. C'est horrible. S'il vous plaît, changez-moi. Oh non, je suis bloqué. À cause de mon arme. Non, non, mais c'est pas sérieux. Attends, attends. J'ai une idée. Sauter comme un gros bêta, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça mon arme est rangée. C'est Non mais c'est vraiment ridicule par contre là. Voilà, là j'avance. C'est vraiment ridicule, on est d'accord. On est d'accord. Alors, voyons voir. Oh, des bonhommes de neige! Bonjour, charmant bonhomme de neige. Que puis-je faire pour vous? Je peux pas le détruire, dommage.
Et on peut pas te servir de phaser, comment on fait si on nous attaque? Oh! Là-bas, il y a quelque chose d'intéressant, regardez. Des boules de neige! Oh ouais! Génial! Je peux en prendre davantage, je pense pas que je m'en servirai. Alors. Donc. Qu'est-ce qu'il y a à faire en fait ici? Grosso modo. Non mais, s'il vous plaît, j'ai mon arme entre les pattes. S'il vous plaît, on peut pas modifier ça, c'est un peu. C'est bizarre. Oh, il y a des gens. Il y a plein de gens. Ah, il y a des personnes qui disent aller, aller. Il y a des Français? Oh, il y a quelque chose là-bas, regardez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Des boules de neige encore. Ah, c'est bon, je suis enfin moi-même. Tout va bien alors. C'est ridicule. Ok, fin de bataille. Non mais moi j'ai rien dit. Je veux rien moi. Violent. Mais il s'est passé quoi en fait là? Est-ce qu'on peut m'expliquer s'il vous plaît? Je viens d'arriver. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'attaque comment? Je peux pas tirer. Comment je fais pour tuer? C'est quoi ce truc? Je vous en supplie. Ah, il est mort. Tant mieux. Oh, bonhomme de neige encore. Ils font bizarre, on dirait qu'ils ont des batelettes. C'est des armes Klingon. Ah, ça m'énerve, ça bug un peu. Oh, hé, oh, doucement. Comment on les tue en fait? Oh là. On va dire qu'il y a un bal balancé loin. Je pense qu'il faut peut-être que je les tue avec les boules de neige. Ouais. C'est bon, je les ai. Boules de neige. Je crois que c'est comme ça qu'il faut que je les tue. Bon, pour ça, déjà, j'ai les boules de neige. Je crois que c'est avec les boules de neige. Des personnes qui lancent des trucs. C'est ça? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est pas des boules de neige. J'ai pas compris. Ouais, ça doit être ça. Afficher bonhomme de neige? Comment ça afficher bonhomme de neige? Cap là, profitez bien. Bougie bolienne? Mais d'où j'ai récupéré ça, moi? Je ne comprends plus rien. Je suis perdu. Patin à glace. D'accord, le type s'appelle Patin à glace. Non, c'est charmant comme nom. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? La Q, je sais pas ce qu'il a fumé, mais. C'était pas que de la cigarette, hein. Bon, alors. Bonjour. Encore des bonhommes de neige, mais il y a une invasion ou quoi? Oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est quoi? Bonjour. Massif des neiges. Ah, t'es trop mignon, toi. Bah ouais. T'es inoffensif, ça va. Alors, voyons voir. Il y en a plein. On dirait des loups. Un petit peu des loups ou des renards, je sais pas trop quoi. Oh! Oh là là! Ouais, alors oui, il y a une invasion là. C'est courir pour la gloire, combattre pour le lait de poule. Qu'est-ce que c'est que ça, le lait de poule? Oh là, il y a une invasion non, pas de boules de neige. C'est de boules de neige et de bonhommes de neige. Non mais c'est pas normal. Oh là. Là, il y a eu des morts. Ah, c'est la piste. Ah non, moi je veux pas faire ça. L'année dernière, j'avais fait ça. Et je m'étais raté. Ah, mais on peut le dire, hein.
raté lamentablement. J'étais sorti de la piste à peine à j'avais commencé. Allez! Ah voilà. On prend un arbre, super. Si y a un arbre, on peut être sûr que je serai pris. Alors, qu'est-ce qu'il y a sinon à voir d'autre? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Intéressant. Oh, il y a une discothèque là-bas. Je déteste les discothèques. Pourquoi tu veux pas afficher la carte? Il veut pas. J'appuie sur M à fond. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas sur M qu'il faut appuyer. Mais c'est quoi cette histoire de finish? Hein? Rappelez-vous, vous n'avez jamais un phaser. Ah, d'accord. Oh bah, disons que contre les boules de neige, un phaser, il gagne forcément, donc. Oh! Campiri. Qu'est-ce que c'est que ça? Naughty children. Today is a good day C'est quoi ça? to Non, non, non. Non, je vais perdre. Quoi? Mais qu'est-ce que ça? Mais c'est quoi ce truc? Oh mon dieu. Oh, il est... Oh, étrange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller voir? Là-bas, j'y suis allé. Affiche-moi cette carte. Ah non, il veut pas là. Là, il veut vraiment pas. Donc, je vais faire comme ça. C'est comment pour afficher la carte déjà? J'ai oublié. Oui, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Allez. Là, j'y suis allé. Là aussi. Du coup, là-bas aussi. Oui, j'y suis allé. Je suis d'ailleurs même là. À la périphérie. Là aussi, j'y suis allé. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Q, c'est vraiment un dingue. Il est trop marrant. Alors. C'est où qu'il faut aller? Oh, regardez! Regardez là! Il y a des maisons. Hein, on va y aller. Ça c'est nouveau. Il n'y avait pas ça la dernière fois. Dans l'année dernière. Donc, on va y aller. Enfin, peut-être que j'aime ça pour avoir le viseur. Ah non, je peux parler avec Q. Q, il m'a transformé une fois. Ah, là-bas, regardez. Qu'est-ce que c'est que ces maisons? On a la maison des elfes. Ah, c'est peut-être ça, après tout. Voyons voir, voyons voir. Attendez, 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 attendez une seconde. Vous voyez comme moi, ce truc marron qui bouge. Q? On peut savoir ce que t'as bu au fait, au juste? Non mais... Non, non, j'hallucine. J'hallucine. Je vais continuer ma route, je n'ai rien vu, je vais aller... Ah, j'en vois un deuxième. Non, je n'ai rien vu, je vais aller vers ces maisons. Attends, mais c'était un pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices. Vivant. Alors, je suis d'accord que Q peut faire plein de choses, mais... Là, quand même, ça dépasse les bornes. Vraiment des pains d'épices et ces maisons sans chocolat. Bon, Q, va falloir faire procéder à un examen psychologique parce que là, ça passe. C'est du gâteau. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé, les développeurs? Paniquette, la paniquette, mon accent anglais. Non mais la Q, t'as fumé quoi au juste? Parce que là,
Ah oui, pas nickel, je vois, t'as perdu un bras. Non mais c'est ridicule. Comment il a pu faire un truc pareil? Non mais les développeurs, ils ont fumé quoi là au juste en fait? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oula, pas content non plus. Ah ben c'est normal, il y a des boules de glace qui... Il doit pas avoir assez de force. Voyons voir tout ce qu'il y a ici. Voyons voir, voyons voir. Là, je vois deux choses, deux personnes là qui seraient là. Alors, ah là, je vois un monsieur. Qu'est-ce qu'il dit? Pie contest pour une disposition pie. Regardez un peu tout ce cul avec une disposition. Dévorer les tartes pour son plaisir. Je vais manger des tartes? C'est une blague, j'espère. Puis à mettre à disposition une montagne de sucreries. Ah bah je vois ça, même des maisons. Maintenant, il aimerait y avoir combien de tartes vous pourriez engloutir. C'est une blague. Do you have a C'est delightful qui treat vient de to parler try? là? C'est qui? C'est qui? Pas parce que c'est lui, je sais pas. Plus vous mangerez de tartes, meilleure sera votre récompense. Ok, bah on va engloutir des tartes alors. Allons-y, allons-y. Ouais. Alors. Ah, sont là les tartes, d'accord. Ok, on va en manger. Miam, miam. J'adore manger les tartes. Non mais, franchement, ils sont quand même pas sérieux. Me suis entendu, mais le bruit est dégueulasse. Le bruit est horrible. Je vous en prie. Désolé, j'ai un problème de micro. Oui, donc j'étais en train de manger des tartes. What? The Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? magnificent Clampieri C'est may be quoi? gone for now, but he will return. Mais comme pour His l'eau, ouais, tenacity d'accord. knows no bounds. Sa Glory ténacité. to the Clampieri. Gloire tout Wondering pour how well le. everyone did, Mais behold. j'ai rien fait. Mais j'ai absolument rien fait. Mais j'ai sauvé personne! Mais j'ai sauvé personne! J'ai sauvé personne! Ah mince! Trop tard. Bon ben je retourne voir le monsieur. Non mais je comprends plus rien. Alors là je suis mais perdu. De chez perdu. Oui j'ai fini. J'ai pas mangé beaucoup. Ça a marché pour vous. Plus de tartes. Mais ça, bon, j'imagine que vous méritez une tour. Manger deux tartes. Ridicule. Deux instants de méthode. Oh! Des bougies de méditation week-end. Génial. Ouais. Bon, alors, voyons voir ce qu'il y a là-bas. Sinon, il y a un autre contre le mur. Ah! Bonjour. Qui êtes-vous? Nilix! Pour ceux qui ne connaissent pas, Nix, il est dans Voyager, il fait partie d'équipage. Enfin, il faisait. Enfin, voilà. Ah, c'est lui qui parlait tout à l'heure! Q has Je suis charged me impatient. to discover new On a le temps de découvrir foods, de nouveaux mets. combine spices De and combiner des strange new épices pour des ways, résultats and to inédits et de cuisiner ce boldly qu'aucun bake homme n'a what jamais no one cuisiné. has Si baked vous m'apportez before. une recette If de you bring me l'invasion a recipe hivernale, from the je vous winter enverrai invasion, I'll récupérer send les you to ingrédients. collect the ingredients. Bring Apportez-moi them et back je to vous. me, and I'll reward you Apportez-les-moi. handsomely. Oula. je crois pas qu'il y ait un tir entre les et moi. Je suis pas sûr. Bon, peu importe. Et je vous récompenserai généreusement. Intéressant. Peux-je obtenir la recette? Save the gingerbread men from those dreadful snowmen, Ah! and you may find a recipe or two in Gingerbread Colony. Ah bah, c'est trop tard maintenant. Happy Je vais pas attendre 15 holidays! minutes. Q has charged me. Q Ouais. has graciously Oh punaise, scattered the ça a l'air necessary ingredients compliqué. all throughout the winter Oh, c'est wonderland. bon, arrête, Happy arrête. Mais oh, ça holidays! suffit. Happy holidays!
has charged me. Et reprends le micro, excusez-moi. Je me suis aussi absenté. Avec un autre papillon. C'est quand même ridicule, on est d'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour du monde féerique de Q. Donc du coup, ben, eh bien, merci Nick de m'interrompre. Je m'en vais. Tu m'as attristé. Tu m'as rendu triste. Alors, donc, je disais, en espérant que Nick ne me coupe plus. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous allez passer un excellent Noël, au réveillon de Noël. Que vous allez avoir des cadeaux si vous voulez. Que vous allez avoir beaucoup d'amour. Voilà, tout ça. Que vous allez profiter des vacances, de la vie, entre autres. Et voilà, donc, je vous souhaite tout ça. Que du bonheur. Et donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé mes vidéos et donc je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!